our concern should be with what do we need to do in this 21st century to move Africa away from being cap in hand and begging for aid, for charity, for handouts. C'est important que dans notre population a le sentiment qu'ils pourraient gérer leur avenir eux-mêmes, sans être dépendants sur les tutelles ou sur les instructions des autres. Le peuple ghanéen, comme les peuples avancés dans tout le monde, les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Français, les Américains, peuvent même eux-mêmes prendre leur destin en main et créer pour eux-mêmes une société qui est valable. Si la politique qu'on mène, c'est une politique rationnelle, c'est une politique qui est disciplinée, je pense qu'il faut voir que vraiment, voilà, c'est comme ça se fait en Asie dans le temps. Ils voient qu'il y a des gens là qui mènent une politique, qui donnent la confiance à le secteur privé, aux investisseurs, pour investir dans leur économie. Et c'est ça que je voudrais faire. Le priorité reste toujours le même. La façon qu'on va arriver à transformer la structure de l'économie ghanéenne. Jusqu'ici, l'économie ghanéenne a été basée sur la production et l'exportation des matières premières. On n'arrivera pas à soutenir une population qui est très jeune avec une économie aussi structurée. On n'arrivera pas à créer la richesse avec des économies aussi structurées. La transformation de l'économie, si vous voulez, agricole, agraire, à une économie industrialisée, ça c'est l'objectif fondamental de toute la politique qu'on mène. Le but de la politique n'est pas encore atteint. Je pense que la monnaie commune pour l'Afrique occidentale aidera nous tous dans la région. Aidera le commerce entre nous, aidera le développement de nos économies. Je ne dis pas que dans la zone franc, il n'y a pas d'évolution et tout ça, mais si on n'arrive pas à élargir le marché, un marché qui comprend tous ces 15 pays, l'Afrique occidentale, je pense que c'est un marché qui sera beaucoup plus dur, beaucoup plus profond, beaucoup plus performant pour nous tous que le marché qu'on a. Mais vous mentionnez donc les relations de la Banque de France avec la zone franc CFA. Vous voulez dire que c'est là qu'il y a un frein pour l'évolution de ce projet ? J'hésite à utiliser le mot frein, mais je dis que ça fait partie des problèmes structurels qu'on doit essayer de combler. La menace terroriste en Afrique occidentale, c'est le plus grand défi qu'on a actuellement dans toute la région. Trouver les moyens sécuritaires, militaires, politiques de faire réduire cette menace. Dans ce sens, l'alliance, le partnership qu'il y a entre les pays comme le vôtre et les autres pays européens avec nous sont un partnership qui est extrêmement important pour essayer de stabiliser nos pays.